grabate ba music. Yeah. C'est le jour de mon mariage. Ne tirant jamais que les mains. C'est le jour de mon mariage. Ne tirant jamais mon son de main. C'est le jour de mon mariage. Yeah. J'avais pas mis. So parilelo bange ba usigilelo o furusiri benake mere perenelo tere udalamado angelo se walelo o furusiri benake bie se walo ye bie kotalo ye furusiri benake. Aujourd'hui on nous a déclaré mari et femme. Je suis ton mari et tu es ma femme. Je t'ai choisi.
beaucoup pour votre participation. Nous allons sans plus attendre inviter le représentant de la famille de la mariée pour le premier discours. Bien évidemment, après suivre le discours du représentant de la famille du marié, et on terminera dans cette rubrique avec bien évidemment le mot du nouveau chef de famille, celui qui a obtenu son permis de mariage ce matin. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous vous mariez, vous obtenez non seulement un acte de mariage, mais vous obtenez également un permis de. Excellent. Alors je vais inviter le représentant de la famille de la mariée sur la piste pour son allocution. À votre attention, s'il vous plaît. Chère Luciane, chère Ma, chers invités, chers parents, chère famille, je voudrais remercier tous les convives qui ont bien voulu célébrer et fêter avec nous votre union. Je remercie les parents de Mar et plus particulièrement maman Marie qui a fait 17 000 km pour assister à cet événement ce soir. Je parlais de vous. Je remercie également maman Félicité qui est tout droit devant moi, qui a aussi parcouru 17 000 km et qui a même parcouru le temps de dormir. Nous sommes elle est ici avec nous. Donc, maman Félicité, c'est la maman de Josiane, et maman Marie, c'est la maman de Marc. Donc, ces deux mamans ont pris, n'est-ce pas, la peine de faire deux jours de voyage pour assister à ce grand événement. Donc, j'aimerais dire à la famille de Marc que vous occupez aujourd'hui une grande place dans votre famille, puisque vous êtes désormais les beaux-parents de Josiane. Et j'aimerais dire à Josiane que depuis 3 ans que nous vivons ensemble, nous t'avons vu grandir. Nous t'avons vu grandir très vite. Aujourd'hui, tu es une femme. Tu es la femme d'un homme. Puis demain, tu seras une mère de famille. Ma femme Aristide, qui est ici devant moi, et moi-même, sont très touchés d'avoir l'honneur de t'accompagner dans cette nouvelle vie. Tu vas maintenant partir vivre ta vie avec ton mari et votre future famille ensemble. Je sais que ton époux, Marc, t'aime beaucoup. Il t'aime comme il se doit. Il va te respecter et te rendre heureuse. Non. Je te demande aussi d'être avec tes beaux-parents la meilleure des belles filles. Tu as reçu beaucoup de conseils depuis le mois de ma femme et moi. Et comme je te toujours dit, fais tout ce que je fais. Et fais tout ce que je dis. Je n'ai rien à cacher. Je suis un homme d'honneur. Donc maintenant, tu vas passer à la phase pratique. Je suis dans la vie. Sois fidèle dans ce rôle. Je compte sur toi. J'ai constaté moi-même, depuis le 22 juin, que votre amour est sincère. Maintenant, je suis convaincu. Ma femme et moi, nous sommes très touchés et nous sommes optimistes pour l'avenir. Pour finir, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette fête et tous les invités d'avoir assisté à ce magnifique mariage. Fêtons tous ensemble ce jour et je souhaite encore aux mariés de vivre heureux et de s'aimer jusqu'à la fin de leur jour. Je vous remercie. Merci. Je suis très content, je suis très fier que nous levons notre verre pour célébrer leur beauté. Je t'ai trouvé très responsable. Sincèrement, ça vient du profond du cœur. Je t'ai trouvé très responsable. Et j'ai dit à mon petit frère, prends du temps pour faire ce que tu as fait. Et je suis avec toi. Et il m'a compris. Il s'est arrangé à faire ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça nous... Il s'est permis de nous rassembler aujourd'hui pour concrétiser leur union. Ceci veut dire, en tant que grand frère et père,
ce que je dois dire, c'est que le mariage est et restera toujours la découverte la plus importante que l'homme peut entreprendre. Donc quand on se marie, c'est une découverte et on entreprend. Donc ça veut dire rester soudé, c'est très important. Ce que je dis à Marc, tu m'appelles toujours grand frère, mais maintenant je comprends que moi aussi je pourrais t'appeler à partir de ce soir grand frère, parce que tu as une responsabilité qui est sur tes épaules. Tu n'es plus un petit frère, tu es un chef de famille. Merci, je te lève le chapeau. Pour finir, j'ai mis dans le programme quelle interprétation histoire d'amour. Ce que je dois dire, l'amour c'est une histoire, il faut l'écrire tous les jours. Et j'ai dit, passez le temps à l'écrire et veillez jouir à ce mariage, à cet amour-là. Pour finir, je remercie les amis, les parents, la famille et tous ceux qui sont là présents pour célébrer l'union de Josiane et Marc. La famille Simo qui est présente, que je représente, vous souhaite bonne soirée, rentrez en paix et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Chers parents, chers amis, chers invités, je vous dis encore une fois plus merci. Merci à vous de nous combler de joie. Je dis encore une fois plus merci aux deux mamans. Maman félicité, maman Marie. C'est grâce à vous que nous sommes ici. C'est grâce à vous qu'on s'est rencontrés. Je dis merci à la belle. Et puis maman, tonton Melou. Je dis merci à mon grand frère, je l'appelle grand frère. Mais ça fait un bout, c'est mon papa. Il le sait, c'est mon papa. Je dis encore une fois plus merci. Merci tonton Melou pour m'avoir accueilli, de m'avoir accepté, de m'avoir reçu comme l'enfant de la maison. Merci les parents de m'avoir accepté que je m'engage, d'avoir accepté que je m'engage dans ce chemin. De m'avoir soutenu, les deux. Alors, mon discours, c'est le merci. Ma femme et moi, nous vous disons encore merci. Merci infiniment. Devant vous, une fois de plus, je m'engage, je me suis engagé, je m'étais engagé. Je rends ma femme heureuse. Et nous vivons une pleine de joie avec nos enfants. Passez encore une fois de plus une belle soirée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne pour différents jours. Applaudissez très fort. Merci beaucoup Tété. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne dans vos domiciles respectifs. Chers invités, nous existons parce qu'il y a un être suprême, le Dieu Tout-Puissant. Vous avez entendu parler de bénédiction à longueur de la soirée. Pour couronner cette rubrique prière, je vais inviter un frère à moi, pasteur de son état, Alain Kouamo, pour nous aider à nous connecter avec le Dieu Tout-Puissant, afin que la bénédiction soit totale. Je vous prie de vous lever
et bien évidemment, je vais inviter Alain pour qu'il puisse donc nous organiser une brève prière. Levez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Amen, amen. Amen. Je veux ici dire bonsoir particulier à Josiane et Marc. Bonsoir. Je suis très content d'être ici avec vous pour célébrer, pour être témoin de cet événement. Et je veux vous dire ici, bienvenue dans le club. C'est une très bonne chose. Et je ne peux que dire que le Seigneur bénisse cette union. Et que ce que lui a uni, que personne ne vienne désunir cela. Amen. Donc nous allons prier ce soir pour dire, Seigneur, que cette union, comme tu as commencé, il faut continuer avec. Et un conseil que je peux donner très vite fait, que le Seigneur soit la fondation. Car il est la fondation, même quand le vent va venir, ça va être solide. Amen. Si tu l'écartes, je peux te rassurer, quand la tempête va arriver, ça va te ramasser. Donc, que le Seigneur soit toujours impliqué dans votre union. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Seigneur, nous sommes témoins de ceci aujourd'hui. Cette parole est accomplie dans la vie de Marc. Et tu as dit également, Seigneur, dans ta parole, que si un homme trouve une femme, il a trouvé une bonne chose et il obtiendra la faveur devant toi et devant les hommes. Seigneur, je prie aujourd'hui qu'à partir de ce moment, que cette alliance avec toi puisse être déclenchée même concernant la vie de Marc et de Josiane au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie également que papa, toi qui as amené tant de personnes pour être témoin, que ces personnes, Seigneur, vont aller propager la bonne nouvelle de ce qu'ils ont témoin vu ici aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, d'avoir réuni autant de personnes pour être des témoins de cet événement. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Papa, nous voulons te remercier encore une fois de plus. Toi qui as permis que ces deux familles se rencontrent, Papa, nous disons que tu puisses continuer avec ces deux enfants. Ce sont tes enfants. Sois impliqué, Seigneur, qu'ils ouvrent leur cœur à toi et qu'ils t'acceptent même dans leur ménage. Et que, Seigneur, tu leur montres que tu construis ce ménage au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions. Et je profite ici, Seigneur, pour dire, s'il y a un couple, même dans ce lieu ici aujourd'hui, qui bat de l'aide, Seigneur, je prie que tu puisses, que ceci soit un temps de réflexion, un temps, Seigneur, où on peut être reconnecté ensemble. Au nom de Jésus, merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce que tu vas faire dans ce couple. Merci, Seigneur, pour la joie que tu a mis dans nos cœurs aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que nous savons, on va quitter ici, sachant que oui, nous avons été témoins de ce grand événement. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chère maman, chère maman, Afrique, chère maman, chère maman, Afrique.
Thank you.
applaudissez très fort. Le mari. Aïe, aïe, aïe. Didier Mal a prêté serment ce matin de vous offrir une soirée. Pour continuer dans l'union que vous venez de faire et continuer, c'est juste une première pierre pour la bâtisse que vous avez à construire. Vous allez rencontrer des défis excitants parfois. Et quand je dis excitant, ce n'est pas seulement excitant quand vous êtes dans le lit, mais excitant par rapport aux résolutions que vous mettrez en place et vous verrez les résultats. Comme les parents ont dit, comme ceux du Cameroun ont dit, le mariage a des hauts et des bas. Ça fait plus de 20 ans que Valérie Pascaline me supporte. Et je peux vous assurer, j'ai souvent chié dans la culotte, mais elle a su nettoyer. Et c'est ça dans un coup. Et c'est vice versa. Par moment, je le dis. Par moment, je le dis, pour ceux qui sont camerounais, il y a une société qui fait le voyage, Zadam. Par moment, je regarde, la regarde, qui fait Dieu et Isaac en passe par ici, je lui dis pardon, amène-moi ça. Parce que ça c'est la période creuse. Mais à chaque fois, on se remet en question, on communique et tous les problèmes sont surmontés. Et quand un problème est surmonté, ça raffermit de plus en plus le coup. Donc n'ayez pas peur d'avoir des points de vue différents. J'avais beaucoup de conseils à donner. Mais l'impresario me fait la pression et je vais garder le reste pour la rencontre individuelle que nous aurons. Et sur ce, je vous remercie, passez une bonne soirée et que Dieu bénisse votre mariage. Marie de Dieu, c'est une nouvelle vie. Une nouvelle étape, une nouvelle époque pour vivre ensemble, pour penser aux enfants, à la famille. Et comme je dis d'abord, il faut profiter de chaque moment, bon et pas bon, dans la vie, dans les moments de mariage. Bon, le meilleur est à venir. Mais n'oubliez pas que vous avez passé 3 ans ensemble, 5 ans ensemble déjà. Comme ça, vous avez cimenté votre amour et le futur pour votre foyer. Là, vous allez vivre dans une maison ou un appartement, on ne sait pas, mais n'oubliez pas que c'est un foyer. Tout d'abord, il y a l'amour, il y a la famille, il y a la joie de vivre ensemble. Et dans le futur, si tu le veux, vous serez béni pour recevoir des enfants. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu pourra vous donner comme parent, comme famille. Recevez-les avec le même amour que vous vous unissez aujourd'hui. Et ayez toujours un sourire pour vos enfants et autant que pour vous l'un pour l'autre. Josiane pour Marc et Marc pour Josiane. On vous aime beaucoup. Applaudissez très fort. C'était Madame Gonzalez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Émilie Claire Maille. Merci Marc et Josiane de cet honneur que vous me donnez ce soir de prendre la parole.
Tout ce que je vais vous dire, c'est je vous souhaite déjà un heureux mariage. Le mariage, ce n'est pas une chose facile, c'est une école de vie. Et depuis ce matin, on arrête de dire, et ce n'est jamais assez de répéter. Le mariage, c'est les hauts, c'est les bas. Mais seulement n'oubliez jamais la raison qui vous a poussé à vous marier. Je pense aujourd'hui, vous l'avez dit solennellement, c'est l'amour. Donc, malgré toutes les tempêtes qui pourront arriver, rappelez-vous que c'est par amour que vous êtes mariés. Et je le vois, j'ai vu le chemin que vous avez choisi depuis que je vous côtoie ici à Montréal. Vous avez choisi le chemin du Seigneur. Mettez-le au devant de tout ce que vous allez entreprendre. Même quand c'est bien, même quand c'est mauvais, appelez-le toujours, il vous montrera la solution. Donc je vous souhaite un heureux mariage. Comme on m'appelle Manu, j'aimerais que Josiane, que tu portes ce nom aussi dans 9 mois. Je donne rendez-vous que dans 9 mois, qu'on t'appelle Manu Josiane. Joyeux mariage. Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Aristide Schuster. Je suis la grande sœur liée à Josiane. Je voudrais dire à Josiane, tu es la dernière petite sœur. Donc je suis la première à me marier et ma dernière se marie aujourd'hui. Donc c'est une famille de 5 filles. Nous sommes 4 filles mariées et Josiane est la 4e qui va en mariage. Et je suis très heureuse aujourd'hui que c'est moi qui l'accompagne en mariage. Et j'aimerais souhaiter tout le bonheur à Josiane et à Marc, parce que Josiane c'est ma fille. Donc j'ai toujours pris soin d'elle depuis qu'elle est toute jeune. Donc depuis l'âge de 1 an, donc ma mère a touché Josiane, elle est tombée malade. Donc moi j'ai toujours été une mère pour elle. Et aujourd'hui, je suis fière de t'envoyer en mariage. Josiane, je te souhaite beaucoup de bonheur. Tu as vécu avec moi, tu vois comment on vit à la maison et j'aimerais que tu fasses pareil à ton mari. Il faut respecter ton mari, appelle ton mari le père. C'est un conseil que je te donne. Toujours lui préparer ce qu'il veut. Il n'y a pas de magie dans le mariage. Le mariage, c'est le respect. Donc quand tu respectes ton mari doit te respecter pareil. Donc ton mari va rester pour toi un papa, un ami, un frère. Et de même aussi pour toi, là, ça, elle doit être ta femme. Ça doit être pour toi une confidente. Merci beaucoup. Et j'aimerais souhaiter aussi, j'aimerais dire merci à tous les invités, merci à chacun de vous qui avez pris votre temps pour venir célébrer avec nous le mariage de Josiane. Je vous vois tous, je ne peux pas citer les noms, mais je voudrais dire un merci particulier aux femmes dynamiques. Je pense qu'ils se reconnaissent dans la salle. Merci pour tout ce que vous allez faire pour Josiane. Merci aussi à tous mes frères de la Fondation Tous en Action. Donc je vous dis merci, merci à chacun de vous et prenez vraiment le plaisir que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, je suis la sœur de la mariée. Ma sœur, toi-même tu sais, j'ai déjà tout dit. Donc pour ce soir, je vais donner le nom à mon fiancé de te parler. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui. Ok. Bien. Donc, je joins ma voix à celle de ma nièce. Pour tout d'abord, me souhaiter la bienvenue à tous les commis. Et puis, pour ensuite emboîter avec les vœux, c'est plus tard à ces dieux merveilleux. Jean, Marc et Josiane. À Marc et Josiane, ce n'est pas très long. On a dit assez de choses aujourd'hui et tout tournait autour de l'amour. Et comme le disait quelqu'un bien chez nous, l'amour, c'est l'alpha et l'oméga. Ça doit être au début de chacune de vos actions, pendant toutes vos actions, ainsi qu'après toutes vos actions. En deuxième point,
nos valeureux ancêtres à vous guider tout au long de votre longue vie de couple. Et en dernier, je vous demanderai en toutes circonstances, à chaque instant, de toujours implorer la voie, le chemin de Ra, ce qu'on appellerait un peu le divin de Dieu, mais que Dieu, le Tout-Puissant, au centre de toutes vos actions, que ce soit dans le en dehors, après ou avant. Merci. Donc, comme conseil que je donnais à Josiane, quel que soit ce que tu veux, ton gars dans la maison, essaie de le rattraper pour que votre couple vive à jamais. Je vais devoir passer la parole à mon épouse pour que vous soyez plus beau. Merci beaucoup. Ce matin et vraiment je vous souhaite de les mettre vraiment en application. C'est une nouvelle qui commence. Il y a déjà eu beaucoup de souhaits. Moi je vais vous souhaiter beaucoup d'enfants, beaucoup de dollars s'il vous plaît. Sans le dollar, l'homme n'est rien au Canada, mais la gestion du dollar, ça crée les problèmes dans les cours. Donc faites très attention à la gestion du dollar. Le mariage, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue, d'éviter les amis, se pardonner mutuellement, se poser toujours la question, pourquoi mon mari, mon époux agit comme ça. Et je vais m'adresser plus à Josiane. N'oublions pas d'où nous sortons. La femme africaine reste la femme africaine. Juste pour dire, le mariage, c'est deux familles, c'est pas seulement le mari. Il ne faut pas négliger la belle famille. Ils sont tout autour de toi et vraiment, quand on dit soumission, soumission, il y a soumission et soumission. Donc il faut comprendre que plus tu accueilles ton mari, plus c'est la femme qui arrange le mariage. Donc tout peut bien se passer si vous mettez tous les conseils qu'on vous a donnés en œuvre. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais tout simplement demander à la jeune mariée de suivre l'exemple de tout à l'heure. Très souvent, on fait le coup à l'homme comme Aristide a dit à papa.
sa bénédiction sur le mariage, je crois qu'on est tous heureux. Je vous souhaite donc un très beau mariage, mais surtout, le bonheur du mariage, c'est aussi ce que nous attendons déjà de vos nuits et de son lit. Ça veut dire que ces enfants qui font encore la joie du couple. Merci. La même chose.
Yes. Avec sa femme et sa femme qui suit les livres de Paris.
à l'occasion du mariage de Marc et Josiane. Et donc, Didier, si tu es prêt, on va te demander de venir nous balancer la sauce. Merci beaucoup, applaudissez très fort pour ces couples qui vont nous séduire avec Maria. Madame
Aïe aïe aïe, on a fait
Good job, mama! Good job, mama! Good job!
Cristal. Everything is going to be
tu la trouves. Il est, oh my God. Foudron, on dit à Québécois, foudron. Il est insaisissable. Il est vraiment fort, à fort terriblement. Tu vous demandes, il est à fort. Eh oui, voilà. Écoutez, chers amis, je tiens à vous dire merci. Vous avez été impressionnants. Vous avez été incroyables. Mais voici le meilleur cadeau de la soirée. Le même dernier, voyez. Offert par les femmes dynamiques. Didier, c'est parti. On continue, Didier. Oui, vas-y, ça continue. Même, ça continue. C'est les femmes dynamiques, c'est un cadeau spécial. Applaudissez-le pour vous, il a gagné. Applaudissez-le pour vous.
les mariages comme ça, j'offre l'exclusivité à la personne ayant le plus de nombre d'années d'expérience pour dire deux mots au mari. Comment est-ce qu'elle a pu faire pour endurer? Parce que le mariage, bon maman, il est où? Ça. Je veux que chacun rentre, retienne quelque chose. Donc, maman, le mariage, ça fait comment? Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Mais ce n'est plus pas, président. Applaudissez ça pour ton maman, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, rapidement, il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Je vais passer la parole à madame. Elle va dire en deux mots comment elle a pu faire pour tenir pendant 35 ans de... Parce que moi, je suis à 34 ans et demi. Ça va être bien. Ça va alors que tu la respectes. Tania, Tania, le mariage, c'est la patience. La compréhension. Prends les notes. Il n'est pas fait. Comme tu voyais le mariage, il y a peut-être Cassis. J'ai envoyé à mon mari, quand il n'a pas, quand mon mari n'a pas, je prends des relais. Je vous mets au petit soir. Parce que le mariage, il faut supporter notre chambre là. Il faut supporter le mariage. Ça ne plus peur. Si tu connais le mariage, selon le conseil de tes parents, tu vas vivre longtemps dans le mariage. Si tu connais le conseil, si tu vois le conseil de tes parents, tu vas vivre longtemps. Vous m'énervez. Prenez les notes. Ah, la mère, merci beaucoup. Hein. Bon, chers amis, un tel gâteau, on ne peut pas se permettre de le déguster sans le célébrer. Alors, nous allons, Gigi va nous accompagner et nous allons danser en cercle pour célébrer ce mariage, ce gâteau de mariage. Donc, Didier, merci, accompagne-nous. On va danser un cercle et ça va bouger. Alors, donc, Didier, envoie-nous la musique. On va célébrer. On va danser un cercle. C'est pour célébrer ce gâteau. Je vais vous donner. Allez, on va le faire. Yeah.
Maman. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons assister au concours du gâteau le plus événementiel du mois d'octobre 2017. Si vous avez assisté à des mariages en 2017, voici le spécial. Alors, je donne 45 secondes aux deux coachs. Vous êtes quand même des professionnels. Vous êtes capables de réveiller les muscles de vos candidats afin qu'ils soient prêts pour le gâteau, pour le concours du gâteau. Alors, échauffement, c'est parti. Oh, regardez. Oh, maman, oh, oh. Aïe, aïe. Hey, échauffement, oh. Ah, ah. Maman, ça va. Le mariage, c'est le mariage. Du mois. Alors, jusqu'à 5. 1. 2. 3. 4. Photo stratégique. Merci pour les caméramans qui vont nous sortir des photos à haute définition ultra professionnelle. Et bien voilà, et c'est rassuré, c'est confirmé. Ramirez va laisser son empreinte sur ses gâteaux. Et oui, Zendé va également immortaliser l'événement. Pendant ce temps, les messieurs et dames avec le champagne doivent être prêts. Ça va aller très vite, très très vite. Alors, c'est bon, est-ce que les caméramans, tout est bon de votre côté? Et on va descendre, on va assister à la coupe du gâteau maintenant. Les mariés, allons-y. Alors, ça descend. C'est un gâteau majestueux, on s'arrête comme ça. C'est parfait. Applaudissez très fort pour la coupe du gâteau. Je vais demander à Marguerite donc, de couper un morceau et de déposer dans le plat. Les mariés, vous allez donner le couteau à Marguerite qui va compléter l'opération et va donc déposer le gâteau sur... Va donc déposer le gâteau dans votre plat et vous allez donc vous servir mutuellement. Et ce sera dans la première partie de cette phase de gâteologie. Hein, oui, ah, tabanoche. On va appeler ça gâteologie. La science qui étudie le gâteau. C'est comme ça, Lionel. Voilà, non, je ne suis pas le seul. Alors, on va assister. Non. Le marié va donc servir. La mariée va servir le marié. Parce que le mariage, c'est le ventre et le... Ah ouais. Alléluia. Oui. Non. Oh. Alors c'est parti. Le marié maintenant va servir la mariée. Alors on dit que la mariée n'a pas fait avec les danses. Oh, 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 c'est grave.
On commence. Aïe aïe aïe. Avec les gaz. Oh yo. Applaudissez très fort. Alors c'est le tour du marié. Alors si le marié, le mariage est une institution des aveugles. L'amour est aveugle. Et les fourchettes. J'ai besoin d'un verre, Marguerite, pour les deux. Les verres, deux verres pour les mariés. Les photographes, venez les photos dans tous les angles, s'il vous plaît.